Allez, de retour en plateau, on va parler cette fois-ci de Zumba Fitness Marathon. On va faire un petit peu de sport après le Ahim-A, Mario, si tu veux bien. Voilà, ça va nous faire perdre tout ce qu'on aura mangé. Et pour cela, on va accueillir Noé Alani, Nathalie et Hérénoui pour nous en parler. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Alors Hérénoui, tu es venue nous parler de ce projet Zumba Fitness Marathon. On va d'abord parler des raisons de ce sport, cette Zumba Fitness Marathon. Pourquoi vous avez décidé d'organiser ça? C'est pour réaliser un séjour pédagogique sur Mont-Oréa. Un séjour pédagogique, c'est-à-dire? Alors dans le cadre du nouveau baccalauréat professionnel gestion administration, les deux classes de terminale bac pro gestion administration organisent un séjour de 3 jours sur Mont-Oréa au mois de mai 2015. Qu'est-ce que vous allez faire durant ces 3 jours à Mont-Oréa? Alors, tout d'abord, il y a 3 objectifs. Oui. Réaliser un séjour pédagogique de révision quelques semaines avant de passer le bac. D'accord. Et ensuite, sortir les élèves de l'environnement. Et pour finir, développer nos compétences en gestion et en administration. Alors justement, c'était pour financer cette sortie à Mont-Oréa. Est-ce que vous avez une estimation de votre budget, combien il va vous falloir pour partir? En tout, il va nous falloir 400 à 450 000 et on a pu récolter 200 et quelques mille. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que cette Zumba Fitness Marathon justement? Oui. Alors, qui va animer? Alors, la journée Zumba Fitness Marathon sera animée par Hérénoui, qui est diplômée d'État. Et le fitness sera donc animé par Colette, qui, elle, est d'aérofitness. Voilà, donc on aura les deux, Zumba et aérofitness. Oui. On ne va pas s'ennuyer, vous attendez combien de personnes à peu près? Le plus possible, j'imagine. 150 à 200 personnes. Alors, par rapport au tarif, combien on doit payer? Alors, pour les adultes, le tarif est à 1000 francs. Mm-hmm. Et pour les enfants de moins de 12 ans, il est fixé à 500 francs. 500 francs. Donc, on peut quand même participer pour les enfants, pour ceux qui s'ennuient chez eux. Ils viennent avec papa ou maman pour faire les Zumba et fitness marathon. Alors, le voyage, tu nous le disais, ce sera prévu pour quand? Pour le mois de mai 2015. Donc voilà, vous avez encore quelques mois pour récolter des fonds, hein, notamment avec cette Zumba Fitness Marathon. Ce sera pour quand? Quand est-ce qu'on va venir danser? Alors, il est prévu au samedi 21 mars 2015, de 15h à 17h, au lycée de Papara. Voilà, merci. Au lycée de Papara, on se donne rendez-vous. Il y aura des animations sur place, buvettes, il y aura... voilà, partout. Donc pour les enfants, pour les plus grands, on va pouvoir danser. Ce sera au lycée de Papara, tu l'as dit, le 21 mars. Nana.